Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de promomediamusique.com. Notre site permet aux artistes de faire la promotion de leur projet musical. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Musique afro, promouvoir un projet artistique en France. La musique africaine a toujours occupé une place importante dans la culture française. En effet, avec sa portée, elle arrive à mobiliser à elle seule une grande partie du marché de la France. C'est pourquoi l'expansion de la musique afro fait que son style musical fait l'objet de convoitises par plusieurs maisons de disques en France. Cependant, il est essentiel de bien promouvoir son projet pour booster son ascension. Voici donc quelques astuces pour la développer un projet de musique africaine. Développer une stratégie de relations presse en France. Pour faciliter la promotion de la musique africaine, il est important que les artistes pensent à développer des stratégies marketing musicales et à établir des objectifs. Les objectifs leur permettent de mieux positionner leur musique dans le futur. Cela passe par la présentation de nouveaux tubes ou d'un nouvel album pour conquérir davantage le marché français. Par contre, la stratégie marketing vise à promouvoir les chansons auprès de la communauté. En effet, la musique africaine a la chance d'être très supportée par la communauté. Il faut donc utiliser cela à votre avantage. Réaliser des collaborations avec d'autres artistes. L'union fait la force, particulièrement dans la musique. C'est aussi pourquoi il est bien de trouver un bon studio d'enregistrement et d'entretenir de bonnes relations avec l'ingénieur du son. En effet, il faut bien comprendre qu'un studio accueille une multitude d'artistes et que c'est l'ingénieur du son qui tisse les relations avec l'artiste. S'il a confiance en vous, il peut être votre meilleur allié et vous introduire à d'autres artistes. Engagez un attaché de presse musique spécialisé en world music. La meilleure façon de promouvoir la musique africaine en France est de s'offrir les services d'un attaché de presse. En effet, les attachés de presse sont souvent de bons intermédiaires entre les artistes et les potentiels fans. Ils pourront donc mieux valoriser votre musique. Toutefois, pour que cela soit un succès, il est important que l'attaché de presse soit investi pleinement dans votre projet musical. De cette manière, il pourra vous trouver des interviews intéressantes sur de grands plateaux. Voici quelques liens ci-dessous pour vous aider. Les médias afro et les réseaux sociaux à utiliser. La musique africaine a tellement conquis le marché français que plusieurs médias ont consacré leur direction à ce registre de musique. À titre d'exemple, il y a des chaînes de télévision françaises, France 24, TV5 Monde, Télé Sud, Trace TV et Biblack TV qui invitent souvent des célébrités africaines sur les plateaux. En radio, on peut mentionner Radio Africa, RFI, Tropic FM, Black Box, certaines émissions sur Move, Swig. De manière générale, plus votre titre a un fort engouement, c'est-à-dire des streams, des vues sur les clips, de nombreux partages sur les réseaux sociaux, plus les journalistes ou médias accepteront de parler et diffuser le projet. En réalisant des promotions YouTube, Spotify et Instagram, vous allez pouvoir cibler des gens qui aiment aussi la musique afro. Vous allez donc booster la visibilité de votre titre et avoir des gens qui vont vous suivre. La meilleure stratégie à long terme est donc de renforcer au maximum l'engouement de votre musique via des promotions avant d'engager une campagne de relations presse. Le site Promo Media Musique pourra vous aider à lancer des campagnes de ce type. Si tu as aimé cette vidéo, ajoute un like et n'hésite pas à mettre en commentaire tes questions ou tes astuces.